Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Alain, idée et introduction à la philosophie. Donner le goût de la philosophie. Traité de philosophie. Étude sur Hegel, système de Comte, positivisme. Aristote, le prince des philosophes. Hegel, Aristote des temps modernes. Une histoire de l'esprit et d'inspiration poétique. Platon, Socrate, l'homme sans peur, indifférence à l'opinion, aux dignités, poésie de l'homme sans élégance. Il raconte, il n'explique jamais, Platon ne se met pas en scène dans ses dialogues. Dans la République, ses deux frères, Adimante et Glaucon, mettent en jeu ambition, puissance. C'est Platon, jeune, descendant des rois. Ses internes pensées dans Protagoras, les hommes d'État, ces importants, qu'on ne dit pas, l'art d'accoucher, c'est toi qui le diras, maïeutique. Socrate, celui qui interroge en vue d'instruire, il sait où il va, maître disciple, il savait qu'il ne savait rien, discours égal raison. Socrate vivant n'était pas pressé de savoir, silence socratique. Seuls les lionceaux recherchent le maître le plus puissant. Selon Aristote, ce sont les questions de morale qui ont jeté Platon dans la doctrine des idées. Socrate se fiait au discours, il exigeait que le même mot eût toujours le même sens. Courage est toujours courage, puissance toujours puissance. Vertu, toujours vertu, les mêmes mots recouvrent les mêmes pensées. Socrate cherchait l'universel, ce qui vaut pour tout esprit. L'idée universelle que tous les esprits accordent sur le sens des mots courage, vertu, puissance, justice. Sur le sens des mots, ainsi que la définition que rien ne puisse rompre, Euclide et le triangle. Ignorance, mauvaise foi, frivolité, rien n'arrête Socrate. Société polie contre société vraie. Socrate interroge, il ne sait rien, prétend point, un homme sans peur, content, sans richesse, sans pouvoir, sans savoir, c'est un douteur, signe d'une âme forte, indifférent au bien extérieur et à l'opinion. Fermeté dans Gorgias, c'est au début de la République, la nature est excommuniée, qui n'a d'autre vertu que la puissance. Platon pense selon ses idées, thèse de Calliclès, éternel modèle de l'ambitieux. C'est Platon tel qu'il aurait pu être, tel qu'il a craint être. Socrate dit non à ces choses. Les cyniques, doctrine propre à Socrate, avec des sobres maximes sur la gouvernance de soi. Celui qui n'est pas maître de lui-même est maître de rien. Socrate n'est pas devenu sage pour des raisons. Par des raisons, connais-toi toi-même. Prudence, certitude. Fermeté dans le Phédon et le Criton. Socrate plaignait le tyran, mépris de l'obéissance, obéir non pour se sauver mais pour se perdre. Les lois et son génie solitaire et son génie solaire, Platon. Platon acheva l'immortel de Socrate. Nul n'est méchant volontairement, pris dans les entretiens socratiques, tout homme veut le bien. Le méchant est un maladroit. Protagoras, homme cultivé, retenu et secret, qui revit dans tes têtes, disant ce qu'on ne dit jamais. Combat de l'esprit contre lui-même. Platon cache ce qui est pensé et montre ce qui est jeu, cette pudeur de tout dire. Avec audace, une fois, Protagoras a tout dit, sans mensonge. Connaître, c'est éprouver. Héraclite, poète de l'insaisissable, tout change, tout coule, s'écoule. Tu te naves jamais deux fois dans le même fleuve. Cherche le vrai. Pascal disait, il ne faut point dire au peuple que les lois ne sont pas justes. Prudence, pas de guerre juste aussi. Sophistes qui ont deux pensées, une pour le peuple et une pour eux-mêmes. Avec Protagoras, Platon s'est délivré de la honte. Protagoras n'est vivant que mort. Les voyages des âmes, image de Platon, meurent et renoncent et renaissent souvent pour une meilleure existence. Héraclite l'obscur disait « Nous vivons la mort des dieux et que les dieux vivent notre mort ».
Ainsi l'immortel est le vrai, l'imagination est rassurée par ces images de l'éternité et la pensée devient idée. Socrate le dit dans le Phédon, idée est toujours hors d'elle-même, autre chose que connaît, telle est que penser, c'est se dépasser en cette réflexion, cherchant l'idée de l'idée. Une pensée n'est pas une pierre, elle m'instruit. Parménide, Socrate est jeune encore, Platon n'est pas né. La doctrine s'élabore avant et sans lui et prépare sa venue. Se chercher soi tel qu'on était avant de naître. Parménide, le philosophe de l'un, et Zénon, les idées sont des modèles et les choses des imparfaites copies. Aristote, disciple ingrat, dit que Platon a changé seulement les mots dans le système de Pythagore. Pythagore disait que les choses imitent les nombres. Platon, les choses participent aux idées. L'erreur est d'imaginer au lieu de penser, métaphore. Aristote n'a pas saisi l'importance différente entre l'imitation et la participation. Cet aveuglement d'Aristote fait scandale dans l'histoire des idées. Le nombre n'est qu'artifice de représentation. Parménide donne quelques idées au jeune Socrate d'une précieuse vérité sur le beau, le bon et le juste. Axiome initial, être et non-être n'est pas. L'être est un, car ils étaient deux, un des deux ne serait pas l'autre. Indivisible, pourquoi diviser tout ce qu'il est, il est immuable. La logique est fondée sur le discours, la pure logique cherche toujours et prétend toujours. Ivresse de discours du monde grec, le principal pouvoir est de persuader. Que la loi du discours soit la loi des choses, sévère leçon de Kant, quand je construis le triangle, suis-je sur le chemin de l'idée ou mes discours? Avant Parménide, Euthydème raisonne par malice, Socrate rit des grossières apparences et de ses jeux de mots. Platon excelle à faire entendre sous le jeu de ce qui importe de savoir. Art de plaider ce qui plaît, se moquer. Platon a nommé cet art la dialectique, dialogue. Sans rapport au temps, sans âge, loi cachée de toutes nos pensées, métaphysique qui prouve ce qu'elle veut. Platon n'annonce jamais ce qui importe, défiance à l'égard de la pensée terrestre. Ne faut-il pas toujours quelque contraire de Dieu? Le mythe de l'entendement pur, esprit sans mémoire, neuf et trop libre. Les idées dans le grand Hippias, Socrate est un sot, dialogue en fait avec son propre esprit. Développement des rapports d'opposition et de corrélation, Socrate prend congé, silence, idée de vertu que Socrate cherche, justice, tempérance et leur contraire, convoitise et colère, vertu, beauté, la raison, la colère et le désir, nos véritables pensées, séparables contre inséparables. Aristote et la doctrine de l'inhérence, 20 ans de réflexion, liées, responsabilité inhérente à une fonction. Les idées ne séparent et se séparent et s'envolent, elles sont transcendantes, elles emportent, elles élèvent le lecteur et elles argilent le monde. La doctrine de Platon portait plus d'avenir qu'aucune autre, moins difficile à entendre car plus facile à voir la géométrie que l'entendre. Comme Descartes, Spinoza, épreuve de géométrie, la figure géométrique est une image de l'idée, mais l'image n'est point idée. Yeux de l'âme, Spinoza. En bon disciple de Kant, on dira que la dialectique ne fera jamais exister un objet. Distinction entre idée et objet. L'idée est une suite de discours qui est dialectique. Le chiffre 5 n'est qu'un reflet de l'idée des 5 osselets. Mouvement au-delà du visible, Platon. Le nombre est un intermédiaire entre les choses et les idées. Retour à l'opinion vraie dans Platon et ses dialogues. Ordre vrai, Platon pythagorisant sur l'idée impalpable. Ainsi l'espérance, la foi, le doute pour élever nos pensées. Le divin est bien nommé le divin. Un et deux, l'être et le non-être, le fini et le non-fini indéfini. Le repos et le mouvement. Sophiste, homme d'apparence et le politique, homme d'expérience. Aigu, grave, chaud, froid, rapide, lent, grand, petit. La diade, la forme du deux. Anaxagore, dans le Phédon, au commencement tout était ensemble, mais vint l'esprit qui met tout en ordre.
Un monde sans les idées serait ni compris ni rien. Héraclite, Zénon, ensemble en Platon, créant l'immobile dans le mouvement. Le mouvement est une idée, un modèle selon l'esprit et non la chose. Les idées forment l'expérience. Nous ne connaissons que les apparences. Tout est vrai et Dieu est innocent. Nul ne pensait le faux, il n'est rien. Salut plus précieux que le pouvoir, que le savoir, les idées, les choses sans les idées sont comme les ombres sans les objets. L'idée de l'homme dans l'homme, c'est ce qui importe le plus. Égal que ce monde nous apparaît justement comme il doit. C'est le sophiste qui ne veut point que l'apparence soit vraie. Grand pouvoir, petit savoir. Admirable chose que le savoir, le vraisemblable et le plus bas degré du savoir et de l'opinion. Loi et preuve font la science. Différence entre savoir et opinion vraie, idée et pensée. Ne plus regarder les ombres, mais en soi. Telle est l'évasion. Platon disait « il faut supplier le sage et même le forcer ». Bien parfait, le bien est la source des idées, la volonté bonne, qui seule donne prix et valeur aux idées. Le travail du sage est d'imiter Dieu. Remontant la route d'intelligence qui va des choses aux idées, nos idées vraies donnent puissance dans ce monde des apparences. La preuve, selon Euclide, n'est jamais expérience, mais elle accepte, elle s'accorde avec. Poincaré intervertissant l'ordre des facteurs sans changer le produit. Hypothèse, conséquence, expérience et ses applications ou remonter d'hypothèse en hypothèse jusqu'à l'unité catégorique. Percevoir le bien au-delà des idées. Si vous méprisez la vraie preuve, vous n'êtes plus esprit du tout. La mythologie n'ajoutant jamais que des métaphores, timées, mélanges de boue et d'idées. Socrate disait « Ce sera donc toujours à recommencer ?» Le destin est immuable et notre sort dépend de nous. Le langage du corps ne trompe point. L'espérance n'est que le champ de la vertu. L'existence suffit à tout et l'homme n'a pas tant besoin de Dieu. Cela fut déjà et cela sera toujours. Socrate, attaché à vivre en chaque moment, apprend la lyre avant de mourir. Ajourné et propre à l'imagination et au songe, contemple la mort de Socrate sous l'aspect de l'éternel. L'évasion n'est que métaphore. Le temps est aboli. Je ne découvre point la géométrie. Elle était là, devant moi. C'est toujours la situation présente qui est le vrai de toutes les autres. Long cours, le temps n'écombre dans ma présente vie. Sous l'aspect de la durée, la vie ne serait qu'un songe. Vertu dans les âmes, tempérance, courage, justice, sagesse. Accorder la tête avec le thorax, lieu de colère, avec l'éternelle fin du ventre. Les choses sont toujours autres de la même manière. Ne te fie point à ce qui dure. Alcibiade, l'amour du bien est universel, immense espace entre le désir et l'amour. Tout amour est céleste et platonique. Désir et incorporelle amitié, Platon n'a jamais menti. Socrate s'est sauvé de tout, car ce qui ne se sauve pas de tout ne se sauve de rien. La beauté est un signe de la sagesse, le premier. Tout homme pressent qu'une grande âme est aussi quelque chose de menaçant et de puissante ruine. La vie d'Alcibiade était frivolité, corruption et vanité. Et Socrate le lait regarde avec une noble jalousie. Trahir et devenir méprisable, cette forme de moi promettait trop et décida Platon à quitter la politique. Beauté et sagesse, pauvreté de Socrate, mais richesse, car celui qui cherche n'est pas tout à fait ignorant. Le désir n'est pas l'amour ni la colère. Orgueil et pudeur s'entrecroisent. Platon rassemble ce qui est aimé, c'est l'universel. Accord libre, une promesse de l'esprit, aucune violence,
offense à l'amour. L'amour ne craint ni le temps ni l'âge. C'est un culte que la mort n'interrompt point, père de toutes les religions, l'amour terrestre et céleste. Foi en l'esprit, tout amour est platonique et l'union des corps ne va pas servir en commun l'esprit. Amour rompu et querelle misérable. Platon comme les stoïques ont enrichi le langage. Calliclès, l'on blâme l'injustice, non qu'on craigne de la commettre, mais de la subir. Marc Aurèle, quand l'univers serait livré aux atomes, qu'attends-tu pour mettre l'ordre en toi? Une fois l'ambitieux a parlé, Gorgias. Socrate disait qu'il vaut mieux être juste que puissant, et même être juste et passer pour injuste que le contraire. Le pire malheur de l'injuste, c'est de ne pas être puni. Les puissants, plus que les autres hommes, doivent honorer la justice. Les citoyens gagnent tout à respecter les lois. Ce que tu ne veux subir, renonce à le faire subir aux autres. La justice est ce qui est avantageux au plus grand nombre et au plus fort. L'homme aurait plus d'avantages à agir comme il voudrait, mais nul n'a ce pouvoir hors de la société, car nul pouvoir existe hors de la société. La limite des forces est celle du droit. Voilà ce que les sages enseignent. Fou qui serait en guerre contre la multitude. L'homme vit et pense selon la loi et la nature. Socrate disait que le tyran est faible et malheureux, car il ne sait gouverner en lui la peur, la colère et l'envie. Immense paysage de pensée. On rougit d'une pensée et non d'une action. La vertu de nos maîtres est prudence, précaution de ne point nuire, peur. La gloire redoute le blâme, oser. L'ennemi devient méprisable par le mépris. Ton juge est en toi et non dans l'opinion. Sépare le juste et l'injuste, dessine le juste tout nu. Le malheur est le plus sage des amis. Doctrine de la justice comme santé de l'âme, être puni que par nous. Esprit frivole, c'est dans le corps social qu'il faut chercher la justice. La justice individuelle n'est pas celle de la société. L'État est juste. L'homme est juste qu'il porte en lui. Deux hommes justes sont différents par la même justice, même formule, solution différente. Spinoza dit que l'homme n'a pas besoin de la perfection du cheval, l'homme n'a que faire de la justice du voisin. Obligation de retrouver l'idée dans l'être différent et toujours changeant. La vertu est santé, beauté, bien-être de l'âme, et le vice une maladie, une laideur et une faiblesse. La République, tête, calcul du thorax, sentiment, emportement et le ventre et le mendiant. Désir et manque, désir et colère, c'est oublier l'honneur, jumeau de l'amour et de la guerre. Le gouvernement des sages, tempérance, vertu, courage, prudence, sagesse, la vraie preuve. Harmonie, convenance, proportion, gouverne qui sait comme sur un navire, chose qu'on ne verra jamais, gouvernement du meilleur. Gouvernement des désirs, démocratie, le plus puissant désir, le tyran tel est. La politique est une fable, un spectacle. Les désirs prennent le commandement de l'homme démocratique. L'homme charmant qui ne sait rien se refuser enchaîne la raison. Produit des opinions qui plaisent au maître, prix de la sagesse. Platon conçoit l'état juste, harmonie propre, rapport entre droit et force, non que la force donne droit, la justice intérieure donnerait la force. Il n'y a de règle de justice qu'intérieur, désir, colère, raison. Nul n'est méchant volontairement. L'homme libre ne fait point de faute.
notre morale se trouve bonne à nous-mêmes et au secret de notre conscience. Ce qui est injuste, ce n'est pas de prendre les biens d'autrui, c'est que tu le fasses en bouleversant ton ordre intérieur. Platon, désirer la femme d'autrui est adultère. Évangile. Tu peux être juste que si tu es intérieurement juste, Platon. Injustice sans purge de l'imitation et de la convoitise. Platon en trouve la porte. Soyons juges de nous-mêmes. Platon médite sur la vie plutôt que sur la mort. Aucune permission de penser dans l'âme et l'état tyrannique. Désir et colère sont sans tête. Alain, idée, introduction à la philosophie. Merci.